C'est encore un anniversaire, chers téléspectateurs, qui va me fournir la matière du sujet que nous aborderons aujourd'hui. En effet, nous allons commémorer cette année le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Colbert, le fameux ministre de Louis XIV, celui que Madame de Sévigné appelait le Nord et celui à qui Ernest Lavisse, le grand historien du XIXe siècle, a rendu justice en le présentant comme le modèle du ministre dévoué à l'État, rigoureux et économe, par opposition à un souverain dispendieux et avide de puissance. Alors, Colbert, qui est-il? D'où vient-il? Eh bien, il est issu d'une famille à l'origine de laboureurs, c'est-à-dire de paysans aisés, qui, dès le XVIe siècle, se sont reconvertis dans le commerce, puis dans la banque. Ils sont actifs à Reims. Reims, qui est une étape importante, et cela depuis le Moyen-Âge, entre le sud et le nord de l'Europe, hein, une situation qui est propice au développement du commerce et des affaires. Alors, Colbert, né dans une famille bourgeoise, va se former en servant chez un notaire, mais également chez des banquiers. Et finalement, eh bien, il va se tourner vers le service de l'État quand il a 21 ans, grâce à son cousin Colbert de Saint-Pouange. Il va acheter une charge de commissaire aux guerres. C'est le début d'une carrière administrative et politique qui va faire de lui l'un des tout premiers personnages de l'État. Il a une grande admiration pour Richelieu, qui meurt à peu près à l'époque où il entame cette carrière. Il va être commis de Michel Letellier au secrétariat d'État à la guerre. En 1648, il épouse Marie Charron, qui est une riche héritière, ce qui va contribuer à l'établissement de sa fortune et de son influence. La même année 1648, alors que la Fronde va se déclencher, il devient conseiller d'État et à travers cela, il est admis dans l'ordre de la noblesse. C'est quelqu'un qui est proche d'Anne d'Autriche et de Mazarin, et pendant l'exil temporaire du cardinal ministre, eh bien, c'est lui qui sera chargé de gérer ses affaires à partir de juin 1651. Jusqu'au retour de la reine-mère et du jeune roi et du cardinal en 1653, une fois la Fronde vaincue. Alors, Colbert va rester au service du cardinal, intendant du cardinal de 1653 à 1661. Ça contribuera aussi à la constitution de sa propre fortune. À cette époque commence le duel d'influence, la rivalité avec Fouquet. Au début, pourtant, ils étaient assez proches, ils se sont connus vers 1650. Tout va basculer en 1657. Fouquet est à la fois procureur général du Parlement de Paris, il est surintendant des finances, son poids dans l'État ne cesse de grandir et Colbert s'indigne de l'horrible confusion qu'il décèle entre les affaires privées du surintendant et les intérêts publics. En tout cas, il constate la fragilité du pouvoir monarchique, il a vécu la Fronde, et puis il voit bien quel est le rôle que joue le surintendant comme intermédiaire avec les financiers, les traitants dont dépend étroitement le roi pour l'état de ses finances. En fait, Colbert est favorable à la suppression de cette fonction de surintendant et cela c'est au nom du grand dessein qui animait Richelieu, qui voulait faire de la France certes une grande puissance en Europe, mais qui voulait aussi bâtir un état moderne, un état puissant, un état autonome par rapport aux intérêts particuliers.
Mazarin, cependant, ne cherchera pas à se débarrasser de Fouquet, car Mazarin lui-même n'est pas tout à fait clair quant à sa fortune. Et il faudra attendre 1661, la mort du cardinal ministre et la prise de pouvoir par Louis XIV pour que les choses changent. Louis XIV, à l'époque, réunit au sein de son conseil étroit Le Tellier chargé des affaires militaires, de Lyonne chargé des affaires étrangères et Fouquet pour le domaine de la finance. Mais déjà, Colbert a été recommandé au roi par Mazarin, hein, qui dans son testament a dit tout le bien qu'il convenait de penser de lui, et il devient ainsi intendant des finances. C'est l'occasion pour lui de dénoncer la comptabilité de Fouquet et les irrégularités qu'il y a décelées. Il y a surtout les relations un peu opaques entre Fouquet et l'administration de la marine. Les entreprises de Fouquet apparaissent à ce point suspectes que bientôt le roi va décider son arrestation. Décision prise d'ailleurs avant la fameuse fête organisée à Vaux-le-Vicomte, dont on pense parfois qu'elle a entraîné l'arrestation du surintendant. Cette arrestation, elle est supervisée directement d'ailleurs par Colbert. Elle entraîne la disparition de la charge de surintendant. On va créer à cette occasion un conseil royal des finances et on va accuser Fouquet d'avoir cherché à se rendre l'arbitre souverain de l'État, en faisant fortifier des places de sa propre initiative, en formant des cabales, en essayant de contrôler l'octroi des charges aux particuliers pour se constituer une clientèle. Fouquet, en fait, sous-estimait le jeune roi. Il pensait qu'il lui était devenu totalement indispensable. C'était mal connaître Louis XIV, qui, en revanche, reconnaîtra dans Colbert quelqu'un incarnant l'alternative du serviteur de l'État dévoué au souverain. Alors, Colbert est appelé à remplacer Fouquet au Conseil d'en haut, après l'arrestation de ce dernier. Il est nommé ministre d'État, et puis ensuite, progressivement, il va cumuler pratiquement toutes les charges du gouvernement, sauf la guerre et les affaires étrangères. On le voit en 1664, surintendant des bâtiments. Il aura entre autres en charge ce qui concerne Versailles. En 1665, il devient contrôleur général des finances. Il devient secrétaire d'État à la Maison du Roi, poste très important parce que c'est celui qui commande les relations avec le clergé et puis également qui commande l'administration de Paris. Secrétaire d'État à la Marine en 1669. Ce qui veut dire qu'il cumule ce qui correspondrait aujourd'hui au ministère des Finances, du Budget, de l'Économie, de l'Équipement, de l'Industrie, du Commerce, de la Culture, de la Marine et de l'Outre-mer. Cela fait beaucoup, cela fait en tout cas de lui le principal ministre de Louis XIV. Louis XIV qui le juge parfaitement sûr. Son attitude durant la Fronde le rassure complètement. Sa froideur convient tout à fait au roi également. Le roi, c'est le faste, c'est le droit divin. Colbert, c'est la gestion rigoureuse de l'État. Cela convient tout à fait au monarque. Le monarque qui a 19 ans de moins que Colbert, et vis-à-vis duquel Colbert fait preuve, pour reprendre la formule d'Inès Murat, Colbert fait preuve d'une autorité déférente et sécurisante. Donc une relation tout à fait harmonieuse entre les deux. Louis XIV apprécie en particulier la puissance de travail de son ministre, son sens du détail, sa passion de la grandeur française héritée de Richelieu. Ils se parlent au moins 5 fois dans la semaine, à l'occasion de diverses réunions ou de divers conseils. Ils entretiennent une correspondance écrite également régulière. La confiance du roi est au rendez-vous, à tel point que c'est Colbert
qui sera sollicité pour élever les enfants que le roi a eus avec Louise de La Vallière. Il y a un petit ombre dans tout cela, c'est que Colbert vit mal la rivalité, la concurrence avec le clan Le Tellier de Louvois. Hein, la famille Le Tellier, ensuite Louvois, le ministre de la guerre, sont un peu en compétition en matière d'influence vis-à-vis du roi, et Colbert vit cela assez mal. En tout cas, il est attaché à l'unité, à l'ordre, à la simplicité dans l'administration. Il veut en finir avec ce qu'il appelle les 1000 tyrans qui compromettent l'autorité du roi. Alors, les 1000 tyrans, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est la confusion administrative complète que connaît le royaume à l'époque, puisque l'on a accumulé au fil du temps diverses institutions, des découpages administratifs. On a surtout vendu beaucoup d'office qui évidemment aliène quelque peu l'autonomie de l'État, l'autonomie de l'État royal. Et cela va contre le grand dessein auquel Colbert est attaché. Il veut un service public réduit, mais un service public de qualité. Pour cela, il va mettre en place une trentaine d'intendants, choisis parmi les maîtres de requête, des gens sûrs et compétents, dépendant directement du pouvoir central, à la tête de leur généralité, la circonscription fiscale et administrative qui leur est confiée. Et ces intendants, ils vont réaliser, dès 1663-64, une grande enquête fondée sur des dénombrements qui permettent d'en savoir plus sur l'état du royaume. C'est déjà une première entreprise, on pourrait dire, au risque d'un anachronisme, une première entreprise d'enquête statistique. Alors, Colbert, que va-t-il faire? Que va-t-il changer? Que va-t-il réformer? Dans le domaine de la justice, il organise des grands jours dans les différents ressorts de Parlement. Ce sont des juridictions extraordinaires qui n'épargnent pas d'ailleurs la noblesse. Il voudrait bien supprimer la vénalité des offices, mais l'état des finances du roi ne le permet pas. On va toutefois supprimer quand même quelques charges considérées comme inutiles. On va organiser en 1666 le trésor royal pour que le monarque puisse disposer d'une véritable autonomie financière. Hein, on va fixer les règles modernes du budget en établissant des prévisions quant aux recettes et aux dépenses. On va faire baisser le poids de la fiscalité directe. On sait que le premier XVIIe siècle avait vu de nombreuses révoltes paysannes d'origine fiscale. Eh bien, Colbert va favoriser le développement des impôts indirects et alléger quelque peu le poids de la taille qui pesait sur les masses rurales. On va réviser de près la dette publique pour la réduire. On va réduire le taux d'intérêt général à 5%. On va créer des chambres de justice chargées de s'en prendre aux traitants, aux financiers abusifs, sur le modèle de ce qu'avait été Fouquet, hein, le Fouquet qui entre-temps avait été condamné au bannissement du fait d'un rapport plutôt favorable d'Olivier d'Ormesson, mais Louis XIV avait imposé sa détention à perpétuité. En tout cas, au cours des années 1660, Colbert devient ainsi l'homme fort de la monarchie. Il va supprimer diverses rentes, introduire un droit nouveau, unifier, simplifier le droit. En 1667, c'est le Code Louis qui unifie les diverses procédures civiles. En 1670, c'est une ordonnance criminelle qui prend en compte également la jurisprudence des parlements, tout cela pour aboutir progressivement à une unification du droit dans l'ensemble du royaume. On verra pour le domaine colonial la mise en place plus tard du Code Noir qui, contrairement à ce que l'on a souvent avancé, en fait réglemente la situation dans les colonies et notamment le traitement des esclaves. Hein. Alors c'est un code qui prend en compte l'esclavage bien sûr et qui est dénoncé aujourd'hui à ce titre, mais qui améliore aussi la situation des intéressés et leur assure un certain nombre de garanties.
Colbert, c'est aussi l'homme des grands travaux à Paris, hein, avec l'édification de la porte Saint-Denis et de la porte Saint-Martin qui illustrent les victoires remportées en Flandre ou en Franche-Comté, la multiplication des fontaines dans la capitale, la réalisation de la façade orientale du Louvre. En revanche, Colbert est très réticent pour ce qui concerne Versailles, qui coûte vraiment trop cher à son goût. Là, il ne peut rien contre la volonté du roi, qui va passer son dernier séjour hivernal à Paris dès 1671. Après, c'est Versailles qui s'impose. Il n'empêche qu'en tant que secrétaire d'État à la maison du roi, c'est Colbert qui va mettre en place à Paris le lieutenant général de police, Nicolas de la Reynie, et jeter les bases de ce qui sera plus tard la préfecture de police napoléonienne. Colbert, c'est aussi l'action culturelle, avec en 1663 l'Académie des inscriptions. C'est lui qui va mettre en place à la même époque le système des pensions dont vont bénéficier les écrivains. Il va imposer le dépôt légal à la Bibliothèque royale de toutes les publications. Il va créer le cabinet des estampes et le cabinet des médailles. Il va organiser les manufactures de tapisseries des Gobelins et de la Savonnerie. Il va installer au Louvre une imprimerie royale chargée de réaliser des ouvrages scientifiques et historiques. Et pour couronner le tout, il sera reçu en 1667 à l'Académie française. Il va par ailleurs créer l'Académie de France à Rome, où vont aller se former les artistes français du grand siècle. En matière économique, sa politique repose sur ce qu'on appellerait aujourd'hui le dirigisme, le mercantilisme à l'époque. Il faut privilégier les exportations, il faut réglementer les fabrications, c'est l'État qui s'en charge. C'est vrai avec les manufactures textiles, notamment celle des Van Robais, c'est vrai avec la Compagnie des Glaces qui deviendra plus tard la Compagnie de Saint-Gobain. L'ordonnance de 1665 sur la dérogeance ou la non-dérogeance, plus exactement, vise à encourager les nobles à s'investir dans l'industrie et le commerce, mais de fait, cette tentative ne rencontrera pas de grands succès. Colbert, c'est aussi l'homme de la marine. Hein. 1660-81, c'est l'ordonnance de la marine qui suit l'ordonnance du commerce de 1673. C'est l'homme des colonies également. Hein. La Nouvelle-France du Canada se développe. On installe des comptoirs aux Antilles, au Sénégal, aux Indes. On crée des sociétés à Chartres, la Compagnie des Indes occidentales et orientales en 1664, la Compagnie du Nord en 1669, la Compagnie du Levant en 1670, mais dans ce domaine, malgré les intentions de Colbert, on n'obtiendra pas des succès aussi importants que les rivaux anglais et hollandais. La marine royale connaît un développement spectaculaire. Colbert crée Rochefort en 1665, il fortifie Brest et Toulon, renforce Dunkerque, met en place le système des classes qui sera à l'origine de l'inscription maritime pour assurer le recrutement des marins. Il va créer le corps des officiers de plume de la marine, hein, intendants, commissaires à la marine, qui vont assurer toutes les fonctions administratives nécessaires dans le cadre du développement de la flotte. Il va former des états-majors navals, développer l'artillerie navale, créer avec les gardes marines l'ancêtre de l'école navale. Le résultat de cette politique, eh bien, c'est que la France, qui disposait de 9 vaisseaux de ligne, 3 flûtes et 8 galères en 1660, dispose en 1683, à la mort de Colbert, de 220 navires de combat, soit 45 unités de plus que la Royal Navy, et cela fait de la France de Louis XIV, à ce moment-là, la première marine de guerre du monde. Alors, malgré tout cela, malgré cette œuvre, Colbert doit compter avec le poids des dépenses militaires.
notamment après la paix de Nimègue de 1678, qui a vu l'apogée des succès militaires de Louis XIV. Il faut faire face à l'Europe coalisée à plusieurs reprises. Hein. Son influence n'en est pas trop entamée, car c'est son frère Colbert de Croissy qui va se retrouver bientôt au poste de secrétaire d'État aux affaires étrangères. Mais en même temps, la rivalité avec les Le Tellier, avec Louvois, se précise, se confirme, et il y aura une perte d'influence relative du ministre, même s'il ne connut jamais véritablement la disgrâce. On le voit en 1680, à l'époque de l'affaire des poisons, quand il sert de confident à Louis XIV durant cette époque. Il meurt le 6 septembre 1683 d'une crise de colite néphrétique. Hein. Quelques jours avant, Louis XIV avait écrit à son fils, le marquis de Seignelay, « J'espère que Dieu ne voudra pas l'ôter de ce monde où il est si nécessaire au bien de l'État. Je le souhaite de tout mon cœur, car l'amitié particulière que j'ai pour lui est celle que j'ai pour vous et pour toute la famille. » Donc Louis XIV reconnaissait ainsi, alors qu'allait s'éteindre son ministre, l'importance qui lui revenait dans le fonctionnement de l'État. La famille qui a été comblée de faveurs et de charges. Colbert avait trois frères, Nicolas sera évêque d'Auxerre, Charles Marquis de Croissy secrétaire d'État aux affaires étrangères, Édouard-François de Maulévrier sera lieutenant général des armées du roi. Il aura neuf enfants, trois filles qui épouseront les ducs de Chevreuse, Beauvillers et Mortemart, et parmi ses six fils, Jean-Baptiste Marquis de Seignelay qui sera secrétaire d'État à la marine. Les autres suivront des carrières militaires ou ecclésiastiques, trois mourront au combat d'ailleurs au service du roi. Colbert a établi une grande fortune, il a réuni une des plus belles bibliothèques d'Europe, il joue un rôle majeur au service de l'État, il est le digne héritier de ce point de vue de Richelieu. Il était animé certes d'une forte ambition personnelle, mais cette ambition, eh bien, elle fut en phase avec l'intérêt d'un monarque qui se confondait avec l'État moderne alors en construction. Alors je reçois aujourd'hui Jean-Claude Rollina, journaliste indépendant, spécialiste entre autres de l'Afrique, et qui vient de publier aux éditions du Alpha « La bombe africaine et ses fragmentations ». Un imposant ouvrage qui se présente comme un diagnostic approfondi de la situation de l'Afrique aujourd'hui. Le sujet est d'actualité, on le sait, puisque depuis quelques années, on nous vante les perspectives d'avenir du continent africain, un marché émergent qui va contribuer à la relance de l'économie mondiale, une population jeune qui ne demande qu'à se mettre au travail, des ressources naturelles abondantes. Évidemment, la lecture que nous propose Jean-Claude Rollina est un petit peu moins optimiste. Il n'est pas le seul d'ailleurs à adopter cette interprétation. Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de faire venir à cette émission Bernard Lugan, qui lui aussi a une lecture un peu moins optimiste de l'avenir. Alors Jean-Claude Rollina, le titre lui-même, la bombe africaine, c'est tout un programme. Dans la bombe, il y a les éléments d'une menace éventuelle. Alors quelles sont les composantes de cet explosif africain selon vous ? Ah oui, cette bombe, elle n'est ni sexuelle, ni numérique, ni atomique, mais elle est essentiellement démographique, et c'est une épée de Damoclès qui pend au-dessus de nos têtes, car, si vous voulez, la population de ce continent n'a jamais cessé et ne cesse pas d'augmenter, pour des raisons tout à fait objectives. L'homme blanc, n'est-ce pas, ce pelé, ce galeux, est venu en Afrique. Il est venu, bien entendu, avec des arrière-pensées. Il est venu, premièrement, pour conquérir, c'est vrai, pour
exploiter les ressources naturelles supposées. Mais il est venu aussi pour évangéliser. Et puis, il est venu, n'est-ce pas, comme le disait M. Jules Ferry, pour civiliser, pour élever les populations, entre guillemets, considérées comme inférieures et les amener au niveau de l'européen de la fin du 19e siècle. – Oui, c'est toute l'idéologie progressiste propre au 19e siècle qui s'est exprimée à travers cette expansion coloniale. Il s'agissait de faire des Africains l'équivalent des Européens du temps par le biais de l'instruction et des transformations économiques, de la révolution médicale, etc. On l'oublie trop souvent, puisqu'on réduit trop souvent la période coloniale à toutes les abominations supposées que l'on sait. – Vous avez tout à fait raison, en ce qui concerne deux pays notamment, le Portugal et la France, qui avaient comme ligne politique l'assimilation. C'est ça. Hein. En revanche, les Anglais, les Britanniques, avaient adopté une autre politique, c'était la politique du gouvernement indirect, ça leur avait réussi aux Indes, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des agents, des résidents britanniques qui négociaient, qui discutaient et qui surveillaient les potentats locaux, mais ils n'intervenaient pas dans la direction directe des affaires. Ça a toujours été leur technique dans toutes les colonies où ils se sont installés. Et donc, pourquoi la bombe? Oui, effectivement, revenons au cœur du sujet. – À la démographie. – C'est la démographie. C'est catastrophique, et pour eux, et pour nous. Quelles sont les conséquences immédiates de cette explosion démographique? Je voudrais simplement dire au passage qu'en 1900, le continent africain comptait 100 millions d'habitants. En 1990, ils étaient 640 millions. Et on peut mettre un chiffre intermédiaire en 60, je crois, c'est 200 millions. Oui, au moment des indépendances, 200 millions pour le continent dans son ensemble. Vous avez une multiplication phénoménale. Ouais. Alors, la prospective. Alors, à l'heure actuelle, 2019-2020, ça tournerait autour de 1 milliard 2. 1 milliard 2. À la moitié du siècle, c'est demain, ils seront 2 milliards, c'est-à-dire qu'ils auront presque multiplié leur population par deux. Et à la fin du siècle, j'ai pris, si vous voulez, des chiffres moyens, différentes statistiques, et j'ai tiré une moyenne. Pour être honnête, on atteint 4 milliards. Oui. 4 milliards. Vous vous rendez compte des conséquences que ça a pour la nature? Oui. Alors certains vous répondront que généralement, les prospectives démographiques, on ne les a jamais vues se réaliser. Qu'il se passe toujours des événements, des choses qui font que… Alors, ce peut être la chute de la natalité, ce peut être des guerres, ça peut être des épidémies. Qu'en est-il de ce point de vue? Parce que je crois qu'on a assisté dans certains pays seulement, à une baisse quand même sensible de la fécondité. Je pense à des pays comme ceux du Maghreb, par exemple. – Il y a un paradoxe avec le Maghreb, c'est que les femmes, si vous, pardon de vous couper, les femmes maghrébines en Europe ont un taux de natalité légèrement supérieur aux femmes maghrébines qui continuent de vivre en Afrique du Nord. Oui, C'est un paradoxe. Alors, est-ce que ce sont les avantages sociaux qui sont délivrés ici? That is the question, si vous me passez l'expression. Et il y a aussi le phénomène de la minorité qui entend s'affirmer sur le plan démographique. On a connu le phénomène, par exemple, avec la communauté française du Québec, que vous connaissez bien. Oui. Hein, puisque vous y avez consacré, j'ai consacré un livre, un ouvrage à la belle province. Que vous êtes venu présenter, ici. On a eu une natalité spectaculaire jusqu'aux années 1960. Tout à fait. Au Québec, c'était une démographie, une natalité de résistance, tout en quelque sorte. Tout et on fait, peut penser que dans certaines banlieues françaises, on a un phénomène un petit peu comparable. Une minorité qui tente à s'affirmer par son poids démographique, son poids relatif dans la population. – Vous avez utilisé un terme qui me plaît, natalité de résistance. Eh bien, ce n'est pas en France que la natalité résiste, puisque nous en sommes autour de 1,8 et que… qu'on n'assure pas le renouvellement de génération pour ce qui nous concerne. – Et dans ce taux de natalité, bien entendu, entre les femmes arabo-africaines, bien sûr, dont on sait qu'elles ont plus d'enfants que les femmes françaises ou les femmes européennes. Vous savez que les statistiques ethniques sont interdites, il est donc extrêmement difficile de tirer le vrai du faux. Ceci étant, on pense que les femmes immigrées, et là, le compte est fait par nationalité, parce que alors là…
si vous voulez, faire des recherches par nationalité, c'est parfaitement autorisé. Oui. Et bien entendu, les nationalités transcendent les origines ethniques, mais enfin, globalement… – Oui, puisque beaucoup de ces populations ont la nationalité française. – Oui, alors elles ne sont pas comptées dans le chiffre que je vais vous annoncer, mais la population d'origine étrangère, qui est essentiellement en France arabo-africaine, puisque on sait qu'un immigré sur deux vient d'Afrique, eh bien c'est 2,7. Donc c'est quand même largement supérieur à la moyenne française, 1,8, donc à 2,7, oui. Qui tient compte aussi des femmes d'origine, qui ne sont pas, disons, d'origine européenne. Donc, c'est un vrai problème, parce que à terme, ça peut poser la question d'affrontement ethno-culturel. Regardez, vous prenez la planète, cher professeur, vous voyez qu'il y a à Chypre, par exemple, deux communautés qui se sont affrontées et qui sont à l'heure actuelle séparées par une ligne de cessez-le-feu, ce qui évite effectivement des affrontements. Vous avez des affrontements pacifiques. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la résistance démographique des Québécois français de souche. Eh bien, effectivement, mais ceci étant, au plan politique, il y a toujours eu un affrontement entre les Canadiens français et les Canadiens britanniques. Vous avez l'Inde et le Pakistan, vous avez le Sri Lanka avec les Tamouls et les Singhalais. Écoutez, on pourrait passer la journée. – Et les Palestiniens. – Et les Palestiniens avec les Juifs d'Israël. Bon, si vous voulez, on pourrait, je le dis, je le répète, on pourrait passer la journée à cibler tous ces conflits ethno-culturels. Alors, je pense que, plus près de nous et plus près de, dans l'échelle du temps, l'affaire bosniaque. Bon, cet affrontement sanglant lors de l'éclatement de l'ancienne Yougoslavie dans les années 90, c'est quand même pas rien. On a aussi la question du Kosovo. Bon, donc, voilà, il faut éviter. Albanaise et kosovare. Il faut éviter absolument que ces dangers, si vous voulez, prennent une consistance dans notre continent. Si je comprends bien, vous adhérez à la théorie du grand remplacement évoquée. Par M. Camus. Alors, je sais que ça fait bondir, notamment les journalistes de la presse mainstream, dès qu'on parle de grand remplacement, ils poussent des hurlements. Il faut encore une fois reprendre simplement les chiffres. Quand on a cette explosion démographique d'un continent qui ne pourra pas nourrir tous ces toutes ces personnes. Pourquoi? Parce que les terres vont manquer, les métropoles, si vous voulez, gonflent. Vous avez Lagos, l'ancienne capitale du Nigeria, qui est à 20 millions d'habitants. C'est invraisemblable. Et Kinshasa, l'ancienne Léopoldville des Belges. Bon, écoutez, ce sont des monstres. Ce sont des mégalopoles qui sont ingérables, avec tous les problèmes, si vous voulez, d'assainissement, d'adduction d'eau. Bidonville. Ce sont des métropoles bidonvilles. Bidonvilles, totalement, sont des égouts à ciel ouvert. Bon, vous avez aussi les terres qui se raréfie. Alors, il y a un chien qui se mord la queue. Par exemple, vous prenez les parcs nationaux dans des pays comme la Tanzanie et le Kenya qui vivent ou qui vivaient en partie grâce au tourisme. Eh bien, si vous prenez les Maasai, par exemple, qui est une tribu d'origine nilotique au Kenya et qui ne vivent que d'élevage. C'est le peuple de la vache, comme ceux a si bien décrit le professeur Lugan, ceux du Rwanda comme et du Burundi. Eh bien, ces gens-là ont besoin de terres pour leur pâturage. Mais en même temps, comme dirait l'autre, eh bien, vous avez donc des terres qui vont empiéter sur les parcs nationaux où vivent des animaux sauvages qui ont besoin, eux, d'espace. Et ces animaux sauvages attirent qui ? Ils attirent le touriste, porteur de devises. C'est le chien qui se mord la queue. Donc, le surplus de population, qu'est-ce qui se passe au fin fond de l'Afrique ? Eh bien, on se cotise dans les villages et on envoie le plus malin, le plus costaud, celui qui semble devoir réussir son irruption et son installation en Europe, et on a ce phénomène migratoire. Tenez, je prends un journal au hasard de province, regardez. C'est pas moi qui l'écris. Bon, le Pays Basque, c'est la nouvelle porte d'entrée. Ce sont des gens essentiellement venus d'Afrique. On sait qu'à 28 000 mentons, ils s'entassent, que les autorités françaises empêchent ces Africains de venir, que Matteo Salvini voudrait bien, entre guillemets, s'en débarrasser. Donc c'est une situation infernale. Et ces gens-là risquent leur vie en traversant la mer sur des barcasses pour le plus grand profit d'escrocs qu'on appelle les passeurs, avec la complicité, d'ailleurs, d'ONG, il faut bien le dire, qui s'achètent à bon compte une bonne conscience. Alors,
Voilà, le drame est là, ça se déroule sous nos yeux, et puis qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Et effectivement, j'en reviens au grand remplacement, c'est le différentiel démographique. Prenons par exemple, alors vous avez en Afrique une inflation, et vous avez en Europe la déflation. Alors évidemment, il y a M. Poutine ou M. Orban à l'Est qui ont entamé une politique d'encouragement à la natalité, mais ça ne pourra prendre effet que sur le long terme, sur la longue durée. Alors, prenons un pays qui m'est particulièrement sympathique, l'Italie, par exemple. L'Italie, son l'indice est autour de 1,37. C'est-à-dire qu'on est loin, très loin du remplacement des générations. C'est un des plus bas. Un des plus bas en Europe. Le record est au Portugal, pays catholique s'il en est, avec 1,23. Mais reprenons l'Italie. Il y a une femme sur quatre qui n'a pas d'enfant et une femme sur quatre qui n'a qu'un seul bambino. Bon. Le drame est là. Alors, on parle de grand remplacement. Parce qu'au fur et à mesure, moins les générations se renouvellent, effectivement, moins vous aurez d'enfants et moins il y aura d'Italiens, et ainsi de suite. Et les populations immigrées qui seraient amenées à s'installer durablement, par exemple en Italie, mais c'est valable pour la France, qui ont, elles, un taux de natalité largement supérieur, à terme, on a pensé, par exemple, aux États-Unis, pour prendre un exemple américain, aux États-Unis, en 2049-2050, si les taux de natalité dans les communautés, notamment latino, continuent, plus la communauté d'origine africaine et les asiatiques, le blanc ne sera plus que à peine 49%, et le blanc, ça sera effectivement quelqu'un qui aura une moyenne d'âge largement supérieure aux populations dynamiques du sud de ce continent. Eh bien, c'est un peu le même phénomène qui se passe en Europe. Nous sommes des populations vieillissantes, et les populations qui viennent chez nous, invités ou non invités, sont beaucoup plus dynamiques démographiquement. D'ailleurs, il y a certains scientifiques qui sont des lanceurs d'alerte et qui disent que la fécondité masculine, notamment en Europe, est en danger. Oui, ça viendrait de tous les produits chimiques qui inondent nos bons supermarchés. – Des conditions de la société de consommation d'aujourd'hui. – Voilà. – Alors là, vous décrivez un flux d'ensemble, un phénomène de fond, une tendance lourde que vous avez bien clairement analysée, mais on peut imaginer aussi des moments ou des séquences d'accélération du phénomène. Nous sommes en pleine actualité avec les événements que connaît l'Algérie. On a toutes les raisons de s'inquiéter pour l'avenir. Et un grand quotidien français, d'ailleurs, vient de faire état d'un éventuel déplacement massif de population à destination de la France, déplacement qui en plus aurait des bases juridiques du fait des possibilités que la France donne au rapprochement familial. Alors on avance des chiffres qui sont complètement astronomiques. Dément. C'est-à-dire c'est plusieurs millions, je crois, plus de 10 millions d'Algériens qui pourraient, au titre du rapprochement familial, revendiquer le droit de chercher refuge en France ou de venir s'installer tout simplement en France. Et étant donné l'état de la situation d'aujourd'hui, les difficultés que rencontre l'intégration dont on a pu rêver naguère, étant donné les tensions qui, sur le plan politique, sont apparues aujourd'hui en Europe sur cette question, ça se vérifie régulièrement, on a tout lieu d'être inquiet quant à l'avenir. Moi, je me pose une question. Les Français, en 1962, n'ont pas voulu de l'Algérie française. Eh bien, moi, je pense qu'ils risquent d'avoir la France algérienne. Alors, c'est une boutade. Nous n'en sommes pas là. Mais tout de même, il y a des signes. La France africaine, de manière plus générale. Oui, ouais. Mais particulièrement l'Algérie que vous avez citée. Pourquoi? Parce que des liens historiques anciens. Il y a des liens historiques anciens. Ça remonte à 1830. Vous avez un président qui est totalement incapable d'assumer ses fonctions.
projette, n'est-ce pas, qu'on propulse sur la scène politique, et parce qu'il est incapable lui-même, le pauvre malheureux, de se mouvoir tout seul, puisqu'il a été victime d'un AVC, et il est venu se faire soigner en France, entre parenthèses, pays sur lequel il crachait abondamment. Mais bon, fermons cette petite parenthèse. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'Algérie a connu dans les années 90 une crise politique colossale, une guerre civile, puisque le FIS, le Front Islamique du Salut, avait gagné les élections, élections annulées par le pouvoir militaire. Et donc, on le sait, il y a eu effectivement cette guerre civile importante, guerre civile au cours de laquelle, rappelons-le, les moines de Tibérine ont perdu la vie. Bien. Donc, le président Bouteflika, je ne sais pas si Allah lui accordera encore crédit jusqu'à la prochaine élection, nous n'en savons rien, il est dans la main de Dieu, mais en tout cas, on vient de s'apercevoir que la jeunesse algérienne descendait dans les rues pour s'indigner de ce cinquième mandat que pourrait accomplir le président Abdelaziz Bouteflika. Donc, cette caste politico-militaire qui tient le pouvoir en Algérie, le pauvre Bouteflika, évidemment, c'est même plus une marionnette dont on tire les ficelles car il ne peut plus bouger. Mais derrière, qui y a-t-il? Il y a sa famille, il y a son clan, il y a le FLN, le Front de Libération Nationale, qui a été incapable, n'est-ce pas, de profiter de ce que la France a laissé en 1962, et surtout l'armée. Malgré les ressources naturelles aussi alors, considérables dont disposait ce pays. Oui, si vous voulez. Alors, ce pays, contrairement à certains Émirats orientaux, a tout mis en exclusivité sur les ressources gazières et pétrolières. Au lieu de se diversifier et de penser à l'avenir, je fais allusion au Qatar notamment, aux Émirats arabes unis, qui essayent qui investissent. Voir à l'Irak, assise de Saddam Hussein. Qui essayent un petit peu de diversifier. Ils pensent à l'avenir. Ils essayent de diversifier leurs ressources et on le voit bien qu'ils investissent particulièrement en France, et ils misent beaucoup sur le tourisme. Par contre, vous avez un pays comme l'Algérie qui a des ressources touristiques fabuleuses, écoutez, il ne fait pas comme le Maroc. Je ne parlerai pas de la Tunisie parce que la Tunisie a été plombée par les islamistes, mais voilà, l'Algérie, elle n'a rien fait alors qu'il y a des ressources touristiques fabuleuses. C'est un pays magnifique que les Français avaient mis en valeur avec les Algériens, bien entendu. Quel gâchis! Or, à cause de messieurs Chirac et Giscard d'Estaing qui ont mis en route ce processus de regroupement familial, eh bien, il y a 13, 14, on ne sait pas, millions d'Algériens qui pourraient venir frapper à la porte de la France et demander à bénéficier de ce droit au regroupement familial parce qu'ils y ont oncle, tante, père, mère, frère ou sœur. Voilà, il est bien entendu impensable qu'on puisse vivre une séquence comme décrite par Jean Raspail dans son merveilleux roman Le Camp des Saints. C'est impensable. On voit bien les problèmes colossaux que ça poserait. Et vous-même, tout à l'heure, vous avez évoqué effectivement ces communautés qui sont un petit peu concentrées dans les banlieues et qui défendent, si vous voulez, bec et ongle, leur identité. Nous avons raté effectivement l'intégration et à plus forte raison, l'assimilation. Donc, c'est une menace réelle. Si la marmite saute, nous sommes en première ligne, parce que Alger, c'est à 2 heures d'avion. Hein. Bon, donc, c'est notre ancienne province du Sud qui risque, là, effectivement, nous exploser la première. – Et du fait de son passé colonial, de son histoire, la France est effectivement tout à fait en première ligne par rapport à cette explosion démographique africaine. Absolument, puisque nous avons colonisé les pays de l'ex-AOF et l'ex-AEF. D'ailleurs, profitons-en au passage, il y a dans la colonisation, c'est un peu comme le cholestérol, il y a le bon cholestérol et le mauvais. Alors le bon cholestérol, c'est la colonisation, avec ses défauts mais ses qualités, et puis il y a le colonialisme, c'est-à-dire la pure et simple exploitation. Au passage, rappelons ce que disait Raymond Cartier, qui fut quand même le grand journaliste de Paris Match, du grand Paris Match, ce qu'il n'est plus aujourd'hui, réduite à une simple revue People. À l'époque, Paris Match était un grand magazine d'information nationale et internationale, dans les années 50 et 60. Cartier disait, eh bien écoutez, nous faisons passer le Zambèze avant la Corrèze. Eh bien oui, c'est une formule réductrice, mais qui correspondait à la réalité, car à chaque fois que la France construisait un dispensaire ou un lycée à Lomé, à Cotonou, à Dakar ou à Abidjan, bah écoutez, c'était un
dispensaire ou un lycée, en moins à Tulle, à Marseille, à Aubervilliers ou à Bergerac. Il faut voir les choses en face. Donc le Portugal a fait pareil, hein, parce qu'on a beaucoup crié sur le dos de Salazar, mais le Portugal avait fait un choix. Bon, à terme, on s'est aperçu effectivement qu'il n'était pas le bon choix. Il y avait une autre alternative, c'était de faire une communauté lusophone. Il était trop tard. Le Portugal s'est investi corps et âme en Angola et au Mozambique surtout, envoyant de nombreux colons, mettant les forces armées là-bas sur place en première ligne contre les guérillas communistes, et pas seulement d'ailleurs, puisque certaines guérillas ont été soutenues par les Occidentaux en sous-main. Eh bien écoutez, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a beaucoup d'ex-Africains qui languent du côté de la métropole, mais beaucoup moins que les Africains des anciennes possessions françaises qui ne lorgnent pas là, qui viennent bien entendu... chez nous, un chiffre par exemple au passage, vous savez ces fameux mineurs isolés, en fait ce sont des grands gaillards qui ne sont pas plus mineurs que votre grand-mère ou la mienne, eh bien ils sont 40 000 en France à l'heure actuelle, plus ou moins 40 000. Le vice-président du conseil général de mon département, à la Seine-et-Marne pour ne pas le citer, me disait ça coûte 35 millions d'euros la collectivité départementale, l'hébergement de ces gens-là. Dans mon chef-lieu de canton, il y a une ancienne gendarmerie qui accueille 50 jeunes gaillards. Alors, ils font rien de leur journée, mais ils sont logés, blanchis, nourris, aux frais de la princesse. Or, la plupart ne sont pas éligibles au droit d'asile. Alors, bien entendu que le droit d'asile doit être maintenu, sanctifié, bien entendu. Mais quand on n'est pas éligible au droit d'asile, on repart. Que fait la France ? Rien. Elle expulse 30 000 bon an mal an, dans les meilleurs des cas, dans les meilleures années, elle expulse, elle reconduit 30 000 personnes au maximum, dont la plupart viennent de Guyane ou de Mayotte. – Oui, qui servent de relais… – Absolument, donc c'est catastrophique, il faut voir les choses en face. Le salut des Africains passe par le maintien de ces populations sur place. Et c'est le devoir de la France en tête et des autres pays européens de faire en sorte de créer les conditions du maintien de ces populations. – Parce que ce sont développement. Mais oui, ce sont des gens capables, cher professeur. Avec trois fois rien, ils vous font quelque chose. Ils sont très débrouillards. Ce sont des bricoleurs nés. C'est vrai, bon, il faut voir ce qu'ils font, les voitures de deuxième, troisième ou quatrième génération. Ça roule toujours. C'est increvable. Ce sont des gens débrouillards. Alors, il faut les encourager. Il faut les aider. Il faut mettre la main à la poche. C'est le devoir de l'homme blanc. Hein. C'est, comme disait Kipling, c'est le fardeau. Il faut le faire. C'est dans leur intérêt et c'est dans le nôtre. Alors, vous établissez un diagnostic implacable sur la bombe démographique, mais dans votre ouvrage, vous abordez aussi d'autres questions concernant ce qu'il est convenu d'appeler la gouvernance aussi dans ces pays d'Afrique, et il y a peu de dirigeants qui trouvent grâce à vos yeux. Ah, écoutez, je constate qu'à part Monsieur Léopold Sédar Senghor, ou M. Fouette-Boigny, qui furent des modèles, Nourris, n'est-ce pas, au lait de la République, si je puis dire. Franchement, les autres dirigeants, à l'heure actuelle, c'est quand même pas très brillant. Ils se cramponnent au pouvoir. Hein, par exemple, quelques exemples, si vous me le permettez. – Cameroun, Paul Biya. – Alors, vous avez M. Paul Biya, président du Cameroun, qui n'est pas très connu, mais c'est surtout son épouse qui est connue, parce qu'elle a une chevelure folle rousse, on dirait une perruque de la Louis XIV. Eh bien, écoutez, M. Paul Biya, qui vient de rempiler, ça fait quand même 35 ans qu'il est déjà président. Excusez du peu. Vous en avez un autre, en en Guinée équatoriale, un petit pays de 500 000 habitants, c'est une île, l'ancienne île de Fernando Po, et un territoire continental qui s'appelle le Rio Muni, coincé entre Gabon et Cameroun. Il se fait que ce pays pourrait être le Koweït de l'Afrique noire. Eh bien écoutez, les 500 000 équato-guinéens sont pauvres. Pourquoi ? Parce que la clique de Monsieur Teodoro Obiang, qui est président depuis, excusez du peu, 38 ans, et son fils vice-président, qui a d'ailleurs des démêlés avec notre justice. – Était condamné en France. – Oui, puisqu'il il occupe un magnifique hôtel particulier dans le 16e arrondissement, qu'il a de très belles collections de voitures et de très belles collections aussi de jolies femmes. Bon, continuons, allez, Idriss Déby, qui est venu voir Madame Le Pen, ça fait 26 ans qu'il est au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazza, je serai indulgent pour lui parce que quand même, avec son collègue du Gabon, il a rendu hommage
à Savarian de Brazza. Mm-hmm. C'est quand même assez exceptionnel que des présidents africains rendent hommage à des, comment dirais-je, des découvreurs, des explorateurs français. Et puis vous avez déjà Paul Kagame, le président du Rwanda, qui, entre parenthèses, a bien remonté son pays. Ça fait 17 ans qu'il est aux manœuvres. Merci beaucoup Jean-Claude Rollina pour tous ces éclairages passionnants sur l'évolution de l'Afrique. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La bombe africaine et ses fragmentations, aux éditions du Alpha. Merci.